Les Atlantes ont adopté les préceptes de l'harmonie aïtiquée. Il ne fait aucun doute que le chemin que nous avons choisi, c'est-à-dire celui de la paix et de la connaissance, nous ouvre les portes d'un avenir glorieux. Les dieux ont respecté leur part du marché, eux aussi. À l'exception de quelques monstres ici ou là, je n'ai plus rencontré d'animal géant depuis que nous avons passé cet accord. Tant que nous honorerons le pacte, il ne nous arrivera rien. Mais si nous venions à renier notre promesse, je n'ose imaginer à quel malheur nous devrions faire face. L'heure est venue de rendre hommage à ton grand-père, Poséidon. Tu possèdes la pierre angulaire sacrée nécessaire à la construction de son sanctuaire. Il te faut désormais superviser le chantier de ce qui deviendra, sans aucun doute, l'édifice le plus grandiose qu'homme et dieu aient jamais contemplé. L'île centrale de ta cité constitue le lieu idéal pour accueillir le sanctuaire. Après tout, n'est-ce pas là que ton grand-père a pour la première fois posé les yeux sur ta grand-mère ? Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour le 7ème scénario de la campagne La naissance de l'Atlantide, la citadelle de Poséidon. Nous aurons un seul et unique objectif, à savoir bâtir un sanctuaire en hommage à Poséidon. Et à mon avis, ça va pas être du petit sanctuaire au vu de l'énonciation du fait qu'il faudra le poser sur l'îlot central. On est parti. Alors, déjà qu'on avait des... Ici, je regarde un petit peu la taille du sanctuaire de Poséidon en premier lieu. Ah oui, c'est pas un petit sanctuaire de poche, quoi. Ça, c'est un peu embêtant. Donc là, je vais pas avoir le choix, malheureusement. Je vais devoir démolir le temple d'Héphaïstos ici. Ça m'embête un peu. Je vais peut-être voir un peu pour couper un peu la route, pour voir ce que ça donne. Et au pire, je le replacerai ailleurs. C'est pas un mal. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Ça y est, on peut le poser. Bah, vous savez quoi? On va le poser là. Célébrez-moi. Et votre cité sera. Ce sera déjà un début. Désirable. Et au moins, je pourrais poser la forge d'Héphaïstos plus tard. Ensuite, le deuxième chantier que je vais faire ici, vu qu'on n'est plus en guerre, tout ce quartier de riches, je vais le faire disparaître. Ça également. Hop, ça aussi. Le vin. Quoique le vin, l'agora ici, on va la détruire aussi. Je vais mettre un autre, 2-3 ateliers vinicoles, ça va déjà nous aider un petit peu pour la production de vin. On en revendra au pire à nos voisins. Et là, je pense qu'on peut établir un troisième et dernier quartier. Comme ça, on aura 3 quartiers de villa, ça devrait être pas mal. J'espère juste que ça va passer. Alors, il m'en reste encore 9 à placer. Ça passe tout pile. Les calculs étaient bons. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ceux qu'on a expulsés reviennent dans les maisons. Donc ils vont devoir s'y faire le fait d'habiter dans des maisons un petit peu moins prestigieuses. Je vais également refaire... Donc là, qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà. Je vais préparer tout de suite un hôpital. Une fontaine. J'ai également placé 5 autres maisons supplémentaires. Ah bah t'inquiète pas, bientôt on en aura assez. Je vais déjà remettre en place l'épicière. Le cachet, c'est la priorité. On va faire des jardins d'agrément. Alors, attends, je me suis planté là. Ensuite, ici, on en a 1, 2, 3. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? L'hôtel des impôts tout de suite. Comme ça, nos revenus vont pouvoir augmenter. Avec un poste de garde, bien sûr. Et le bibliothécaire, déjà, ça va être un début. Très très bien. Alors pour le moment, on a trop d'ouvriers, c'est ça?
Bah tu sais quoi, le bronze là, il va y avoir un entrepôt complet qu'on va pouvoir poser. Et là, je vais te faire un don de bronze ici. Enfin, un don de récalque à Gades, comme ça, on va gagner de la place. Qu'est-ce qui nous manque? Hop, on a pris 31 lingots de bronze, tranquille. Célébrez-moi et mon fidèle chien. Alors là, le quartier commence à avancer, ouais. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a de l'oricalque. Là, je vais virer et supprimer ça. Ça nous fera encore de la, main-d'œuvre. Ça servira. Je pense que je vais renforcer le nombre de métériques. Hop. Plus on aura de métairie, mieux ce sera, je pense. Là, les armements, il n'y a personne qui en achète. Personne n'achète d'armement. Je vais quand même faire un don à Gades. Comme ça, ils en font ce qu'ils voudront. Et nous, on va augmenter la place pour le vin. Là, on a la laine, c'est bien. Alors, le sanctuaire de Poséidon, il en est où? Il n'est pas encore commencé, sérieux? Ah, t'es sérieux, là? T'abuses le jeu. À moins que... Ah bah attends, je suis con aussi. Hop. Il faut quoi? Du marbre noir? Ah bah oui, si j'ai pété la route, comment je fais? Bon, c'est pas grave. Au moins là, on est en train d'améliorer les quartiers nécessaires. J'ai tout de suite amélioré le quartier avec des cadrans solaires. Comme ça, le cachet va en prendre encore un bon coup. Et ça fera du bien. Alors, pour... Ici, je vais partir sur un observatoire. Et je vais mettre une université par ici. 8 blocs de marbre noir, je prends. Bon, cette pyramide, elle va bientôt se terminer, je pense, il manque plus grand chose. Et je vais voir si je peux replacer un sanctuaire tout de suite. Il y a un sanctuaire d'Héphaïstos. Je pourrais le placer là, en vrai. La porte d'Hadès, c'est beaucoup trop grand, c'est ça le problème. J'ai envie de la faire, ce sanctuaire, sans, enfin, les portes d'Adès, j'ai envie de les faire dans le sens, parce que ça peut être un truc rentable, vu que c'est on n'a pas de minerai d'argent, et avoir du minerai d'argent, ça pourrait être cool, quoi. Le problème, va-t-on trouver de l'espace, quoi, maintenant. Là, ça va être mort. À moins que, là, attends... Célébrez-moi, et votre cité sera à mon si je supprime ici. Désirable. La pyramide de l'épisode précédent est complétée, ça c'est une excellente nouvelle. Il va nous falloir quoi? Deux sculptures, ça va en vrai. Par contre le marbre, ça va être coton quoi. Bah, avant on a une bonne production, on va se dire ça. On a 34% de chômage. On va peut-être améliorer. On a une fonderie, je crois. Et votre cité sera à mon image désirable. Ou alors je mets la forge d'Héphaïstos ici, mais bon, ça gâcherait une place, quoi. Les armements d'enfer, je n'en ai plus besoin. Alors si je stoppe juste la production quelques temps. Alors attends. Je fais un test, hein. Hop. Je peux poser les portes d'Hadès ici, effectivement.
ça serait pas mal plus tard. Alors pour le moment, je vais faire l'arrêt des travaux ici. Hein? Si vous me célébrez, et le dernier sanctuaire que je mettrai, ce sera Héphaïstos, bien sûr. Apollon, je n'en ai pas l'utilité, je pense. Donc là, on a déjà trois de nos sanctuaires majeurs, enfin intéressants, au centre de la cité, et ça donnera un petit coup de cachet à la cité. Un sanctuaire en hommage de Poséidon. Alors là-bas, pourquoi ça n'évolue pas? Ah, il n'y a pas d'eau, t'es sérieux? Bah, vous savez quoi, l'eau, on va la mettre ici. Parfait. Oh, il n'y a plus assez de nourriture, comment ça se fait, ça? Je vais peut-être augmenter un petit peu la production, parce que ça sent pas très bon, curieusement, ici. Bon ça, les greniers là sont bien improvisionnés. Peut-être que je devrais rajouter un troisième grenier, non? Le sanctuaire de Poséidon qui évolue à vitesse grand V. Donc là, on a deux tanks quand même. Hein. Je vous laisse imaginer ce que ça fait deux temples là, en taille. Sanctuaire est terminé à 90% déjà. Mais là, tout ce bronze va nous être utile pour refaire le sanctuaire de Héphaïstos et le sanctuaire d'Hadès de l'autre côté. Par contre, là, la pyramide colossale, je sais pas où je pourrais la placer, j'avoue. Donc là, je vais la mettre là, la pyramide colossale. Entre les deux quartiers, je pense que ça peut avoir une très belle... une très belle vue. Par contre, pourquoi ce grenier n'a rien? Vos greniers sont peut-être vides pour l'instant. Attends, mais on consomme plus qu'on produit, c'est ça? Bon, il faut essayer de compenser notre petite lacune actuellement avec la nourriture. C'est un petit peu problématique. Alors attends, je vais mettre un... Gades qui me donne un petit peu d'argent, merci à notre allié Gades. Je vais mettre un barrage routier ici, tiens. Ouh, on a des problèmes, ok. Est-ce que je pourrais pas faire compenser? Pourquoi pas faire des orangeries, tiens. On va tester un peu, c'est une des sources de nourriture du DLC, enfin de l'extension. On va voir. Le problème de l'industrie du poisson, pour moi, c'est que ça met trop longtemps. C'est pas rentable, je trouve, en termes de nourriture. Vos greniers sont peut-être vides pour l'instant, mais vous aurez bientôt assez. Je vais tout de suite préparer ça déjà. Je vais mettre une petite dizaine d'orangeries, tiens. Ton grand-père est très fier de toi, et moi aussi. La citadelle de Poséidon est plus majestueuse encore que je ne l'étais imaginée. Tous tes oncles m'ont félicité en me disant que je t'avais superbement élevé et que tu ferais un très bon souverain le jour où tu monteras sur le trône de l'Atlantide. Ce qui pourrait se produire plus tôt que tu ne le penses. Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas à l'article de la mort. En fait, c'est tout le contraire. Depuis que j'ai visité l'Olympe, je ne cesse de penser à la magnificence de la demeure des dieux. En plaisantant, j'ai demandé à mon père ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir vivre sur l'Olympe, moi aussi. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il n'attendait qu'une seule chose, que le plus intelligent et le plus doué de ses fils, c'est-à-dire moi, vienne le rejoindre sur l'Olympe. Il m'a donné une liste des choses que je devais accomplir pour faire partie du Panthéon, en me promettant qu'il négocierait avec les autres dieux pour que ceux-ci m'acceptent dans leur rang. En attendant, tes talents sont à nouveau requis dans une autre partie du royaume.
Bon, bah on a fini la citadelle de Poseidon. Je suis désolé, j'ai pas pu vous la montrer. J'ai pas vu qu'elle se terminait aussi vite. Bon, j'avais tous les matériaux, mais c'est comme ça. On est plutôt pas mal. Il faudra juste régler le problème de la production de nourriture à Atlantide avec les orangeries et tout ça. Je pense que ça va être pas mal une fois qu'on aura beaucoup d'orangeries en place. La production de nourriture devrait suivre. Du coup, là, on va aller bâtir la seconde colonie, apparemment, de ce qu'ils ont expliqué dans la narration. J'espère que cet épisode vous a plu quand même. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne, tout ça, tout ça. Et si vous souhaitez la soutenir, la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou les abonnements sur Twitch. Pour ceux que ça intéresse, je stream sur Twitch essentiellement le week-end, en ce moment un peu le mercredi, voilà. Je vous remercie à tous de votre attention, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.